Je vais lancer la VOD. Je kiffe de fou et fraisier pour mon anif. Moi aussi. Moi aussi. J'espère que j'en aurai un. Mon anif, c'est dans 2 jours, mais la VOD s'en fout. Parce que la VOD se lance maintenant et n'a pas de vraie temporalité. Nous sommes sur le jeu As Dusk Falls. J'ai envie de dire duck constamment. Et on va jouer avec le chat. Il y a une intégration Twitch, on va la tester, normalement tout est bon. Coucou la VOD, oui, le chat, vous pouvez dire coucou à la VOD pour une fois. Pour une fois, vous apparaissez sur la VOD. Et du coup, framboise aussi, c'est pas mal, oui. Tout à fait. Ah, il marche pas le point d'exclamation coucou. Bah ouais, attends, il y a un point d'exclamation. Ah oui, non, c'est les points, c'est vrai. Il m'en fuit, c'est vrai que c'est les points. Désorienté, j'ai oublié. En tout cas, voilà. As Dusk Falls, voilà, j'allais dire, je voulais dire Duck. Dux. Un jeu narratif dans lequel le chat va pouvoir prendre des décisions. Donc, voilà, les petits coucou à la VOD. J'en ai marre, c'est les commandes. Ouais, désolé, c'est les points de chaîne, bref. Et du coup, voilà, le chat va pouvoir choisir tout simplement le cours de l'histoire. Il y aura régulièrement des commandes à faire et tout. Sinon, c'est très narratif. Je préfère vous prévenir, on n'aura pas du gameplay de fou, ce sera pas non plus tu l'as bien ce sera pas non plus comme Detroit Become Human, il y a quand même pas mal de gameplay, des QTE et tout, là on sera vraiment plus sur de la décision, sur des choix des choix des choix d'agir, des choix de répondre telle ou telle chose. Voilà, je connais pas trop l'histoire, j'ai pas voulu me spoil, forcément c'est très narratif, j'ai juste vu un petit peu ce que ça donnait sur d'autres streams et je me suis dit avec l'intégration Twitch ça a l'air trop stylé, donc je vais copier ce que font les autres, c'est en général une bonne idée. Avec notre application mobile gratuite, il y a sur mobile aussi. Il vous suffit de télécharger. Ok, mais alors normalement je suis avec intégration Twitch, j'espère que ça fonctionne, sinon ma VOD sera pourrie et sinon tout mon intro ne sera servi à rien. J'espère que ça va marcher. Et c'est un jeu voilà, que vous pouvez jouer en multijoueur aussi. Un petit peu à la manière les jeux d'horreur, là, Dark Picture Anthology. J'ai dit votre nom. C'est bien. Je peux pas mettre de... Oh, copieuse, tout à fait. Déplacez le curseur pour découvrir les interactions cachées. Ah d'accord, ce sera pas mis en évidence en mode tiens là ça brille, il faut que je clique là. Normalement aussi le jeu est totalement doublé en français avec de ce que j'ai entendu du doublage de qualité. Choix préférant sur rien, c'est appuyé sur... Ouais voilà, bon bah tout simplement on choisit des choix. Voilà, ça ressemblera comme ça sur Twitch. Ça ressemblera à ça, vous aurez un minuteur en gros. Et vous aurez ici hashtag 1, 2 ou 3 selon la réponse que vous voulez mettre. Oui, du bon doublage, ça va faire du bien, ça va être cool. Bon, moi j'aime bien faire les doublages, mais j'avoue que c'est quand même plaisant d'avoir des doublages dans les jeux. On choisit les choix, ouais. En tout cas, voilà, vous avez compris, hashtag 1, 2, 3 ou hashtag, voilà, autre. Mais en tout cas, et vous aurez le minuteur en gros. Je passe. Je prends toujours les meilleures décisions, tout le monde le sait. Suivez les instructions à l'écran. Ah, on aura des petites faces comme ça, attention d'action. Ça va aller vite. Et du coup, à la fin de chaque chapitre, découvrez ce que vos choix révèlent. Bon, on connaît, on a fait tous les quantiques, les jeux quantiques, tout ça, Quantic Dream, tout ça, on connaît. Hashtag mine. Je sais pas si t'auras le temps d'aller jusqu'à la 1000ème décision. Je suis pas sûr. Ouh, ça nous met la pression. Est-ce que je me cache et je vous laisse? Je m'appelle Zoé Walker. Ah non, pendant que je me cache, je vais essayer de vous cacher aussi parce que ça fait bizarre. En plus, on va plus que hanter là. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est retenir mon souffle. Oh, ça me fait penser à un début d'un film. Un très vieux film, j'ai oublié. Perdre connaissance. Un très vieux. Mais pour le calme qui m'envahit juste avant. Ce moment où les pensées disparaissent. Oh, les voix sont un petit peu animées. Mi. 90 secondes. Alors, elle parle tout doucement, mais la musique est forte. Putain, ils n'entendent rien. Enfin, elle, on l'entend pas. C'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Salut, Emmerich. Pour une fois qu'elle crie pas. Oh là là.
Combien de concepts, un stream 100% commun. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup les jeux dans le genre. Quand il y a des intégrations, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, des vrais jeux, tu vois, des petits jeux ou alors des décisions qui ne seront pas très importantes, qui ne seront pas dingues. Alors, papa? J'ai entendu un tétu gêne, mais non. Pardon, ma puce, oui, bien sûr qu'on joue. Alors, par contre, voilà, bon, je sais ça va être experte, mais un tu style as graphique pour regarder, tu es sûr particulier. Tu vas voir. Je suis trop forte. On va être sur vraiment une histoire interactive au sens pur du terme. Que tu vois. Est-ce que tu vois quoi? Quoi? Est-ce que je me cache? Est-ce que dans ces cas-là, j'ai pas mis de trucs pour le chat? Attendez. Hop là. Est-ce que tu vois le ciel? La voiture? Ah là, vous pouvez choisir! Oh putain! Ah, comme ça, vous pouvez tester. Vous mettez un, hashtag 1, hashtag 2 ou hashtag 3. Mais j'ai mis trop de temps à réagir. Les toilettes. J'aurais dû dire les toilettes. La vieille clôture abîmée. Désolée, c'est moi qui ai mis trop de temps, je suis désolée. Clôture ou ça? Oh, mademoiselle Walker va-t-elle enfin donner sa langue au chat? Une simple clôture aura-t-elle raison de son extraordinaire palmarès? Attends, marron. Mais la peinture était blanche. Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant? Tu mets les fraises, mais je préfère le chocolat, je comprends. Question. Si je ne trouve pas du premier coup... Bah là, ta souris, ouais, déso. C'est toi qui gagne la partie. Déso, d'habitude ça s'affiche, déso. D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. Ok. Cette fois, je vais plus vite. T'es prêt? Oui. Ah. Bah, c'est vous qui choisissez? Ah ouais, en mode diffusion n'est disponible que pendant les 5 dernières secondes. En mode diffusion, le veto n'est disponible que pendant les 5 dernières secondes. Je peux lancer un veto. Oh, on vous voit et tout. Ah, c'est trop rigolo. On voit qui choisit, j'aime trop. Ah, j'aime beaucoup trop. On voit le premier à faire décision. Et du coup, après, ce sera un pourcentage, je crois. Plus 1, plus 2. Bon, bah, ou un nombre de voix, tout simplement. Hashtag 11. Mais non, c'est pas hashtag 11 ou 12. Une petite seconde. Si, c'est ça. Ah si, pardon. Hashtag 10 ou 11, je crois. Ok, vas-y. Vous avez mis prêt. Combien d'étoiles sur mon sac à dos? Ou pas, je sais pas. Ah, je sais pas, hein. On l'a vu, son sac à dos? Oh, aucune idée. Jeter un coup d'œil. Ah, pas con, on peut tricher. Et moi, je peux choisir? Ah, moi je peux choisir quand même. Je peux mettre une voix quelque part? Je vais jeter un coup d'œil, moi. Ah voilà, ça rajoute une voix. Ça rajoute une voix. Ou pas, je sais pas. Moi je jette un coup d'œil, moi, full triche, hein. On triche pas. Il y avait combien? J'ai pas regardé. On avait 5, je pense. On déjà le chat parce que finalement, ça va être que du hashtag dans le chat. Il y a trop de délai. Faut enlever. N'hésitez pas à refresh. Mais en tout cas, il y a quand même 20 secondes. Il y en avait 7? Il y en avait 6? Attendez, c'est comment que ça se passe? Ah voilà. Il y en avait du coup 6. Ah, pas évident. 6, je crois. T'as triché! Moi? Il y a des conséquences? Je t'ai vu, t'as regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des conséquences sur le fait qu'on ait triché, quoi. Il triche alors qu'il a 30 ans de plus que moi. Je suis sûre qu'il te taquinait seulement. Non, j'ai triché de fou, mais je me suis fait gauler un peu. Il nous reste encore 45 états à trouver sur les plaques d'immatriculation. Salut. Salut. Triche. Est-ce que ça va? Ouais. C'est juste que... Tu sais bien. Tout va bien, Michel. Promis. Pourquoi vous parlez encore bizarrement? C'est rien, ma puce. C'est la fatigue du voyage. Je vous jure, le pire quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça sent pareil au départ et à l'arrivée. Papy! Attends, je suis ton papy? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papy. T'es allé loin? J'ai cru que t'étais perdu.
Oh, jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens. Tandax dans la voiture, un peu. Qui tiennent la laisse. Dirais-je du dessin fait par une IA. Oh, quand même. Y a pas, ils ont pas 12 doigts et un œil qui est complètement déformé ou des trucs comme ça. Ou ils ont pas une main qui va pousser, là, tu sais pas pourquoi. Parce qu'avec les IA, c'est ça, en fait, c'est dangereux. Hein. Allez, coucou Axel. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. Oh, je sais, je vais mettre le chat. Me suis-je choisi. J'ai pris ma décision. Décision de making de ouf. Mettre le chat. Mais je vais le mettre en haut, je pense, il gênera moins. Oh, ça gênera un peu quand même, non? Ouais, non. Allez, go. Désolé. Alors, sur quoi on enchaîne? Artiste supérieur à IA. Moi, je pense que elle s'est endormie pendant ton bien sens. Ensemble. Mais t'as largement mérité le prix vous du meilleur dit de la merde, j'avoue. Je me vois plutôt en c'est berger. C'est pas reproche, les IA, on donne 8 doigts. Mes brebis, en quelque sorte. Et j'ai bien l'intention. Les IA, ils donnent 8 doigts, c'est les mecs derrière qui font de la merde. Non, mais. Bah, disons qu'il y a souvent un petit truc. Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire. De temps en temps, qui est chelou. Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Pas souvent, de temps en temps. Je me plains pas de la route. Mais moi, je trouve ça fascinant en réalité. Hein. Je trouve que c'est des outils super intéressants. J'écoutais pas, ça va être super. Alors on va quelque part, ça va être super. Ça va, je survivrai. Faisons semblant d'être en vacances. What the fuck? Mais il s'est passé quoi? J'essaie juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. Je vais mettre. Ouais, moi je suis pour le je survivrai. Le faisons semblant d'être en vacances, c'est vachement. Je sais pas, c'est. C'est très. Hein, voilà. Full trad, exactement. Oui, c'était pas mon choix de. Full doublage. Ni deux, ni cinq. Mais c'est qu'un nom sur une carte. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Après tout, j'ai survécu jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et c'est devenu plus sympa qu'à l'époque. Attends, t'es de là-bas? T'aurais pu me le dire. Très marrant. J'essaie juste de rester optimiste. Tu as ton poste et moi j'ai. Mon petit boulot. Ok, il déménage et c'est contre son gré. Bon, en tout cas, ils vont là-bas et c'est contre son gré, clairement. Donc sûrement pour elle, son taf, on dirait. Enfin, elle a dit tu as ton taf et moi j'aurai des petits boulots, bon voilà. Je pourrais pas travailler. C'est belle, la madame. Mais en fait, elle me rappelle une actrice, je pense que. Je pense que c'est des acteurs qui ont été pris et elle me rappelle vraiment une actrice, mais j'ai pas son nom. $10,000. T'aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards, vu comment ces cols blancs t'ont tout mis sur le dos. Ah. Signer leur papier, là. J'ai encore rien signé. Mais tu comptes toujours le faire, hein? Je sais que c'est ton choix, mais je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Il a eu des problèmes au travail. Ils ont tout mis sur le dos. Attends, il a servi de mouc émissaire. Tu as peut-être raison, j'ai besoin d'y réfléchir. Je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Ouais, je pense que non, hein. Ça se voit que ça le tracasse, alors dire en mode « oui, je passe à autre chose parce que tu m'as dit passe à autre chose », non, si ça le tracasse, faut y réfléchir. Enfin, moi, je trouve, j'avoue. Mais mon vote, il sert à rien, je crois. On voit plus 1, plus 2. Laisse-moi juste un peu de temps, d'accord? Bien sûr. Oh, il a failli se faire écraser! Vince était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. On aurait dit un petit peu un pogona. Tu m'as demandé de t'acheter des figurines en plastoc, rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te coursaient à l'école. Et au lycée, j'étais comment? Oh, ça balance les doses sur le père. Désolé, j'aurais pas dû dire ça. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. Donc c'est son père à lui. C'est Zoé qui a demandé. Oui, remarque, ils ont l'air d'aller dans sa famille à elle, donc évidemment dans la voiture. Oh là, les tremblements. Ne pas intervenir. Oh, j'ai envie de pas intervenir, moi. Moi, je mets ne pas intervenir. Il commence à s'embrouiller, j'ai envie de voir comment ça va. Clash. J'ai envie de voir le combat, là. Full drama. Ouais, je vous influence un peu. Oh, bah, c'est aussi bon. C'est, voilà, c'est aussi ma game. Au moins, Zoé apprécie ma compagnie. C'est bien la seule, tiens.
Non, regarde. Ça va, ça va, ça va. En vrai, c'est peut-être moins pire de pas intervenir. Je vais peut-être jouer à la manette, c'est en QTE, je sens que ça va être chiant. Non, ça va, ça va. Oh, j'ai peur! Zoé! Ça va, ma puce? Qu'est-ce qui se passe? Elle est juste un peu secouée, je crois. Et voilà, la voiture, elle est niquée. En vrai, il a fait un coup de frein, ça devrait pas... Génial. Quoi, si, apparemment. N'est pas... N'aie pas peur. Merci d'être venu. Laissez-moi juste pouvoir aller chercher. Pauvre type. Non mais vous êtes sérieux? Bah dis donc, ça rend vachement aimable le désert. On a du bol de pas être blessé. Pourquoi revenir, genre, pour faire ça? Oh, ça te saoule. Revenir juste pour insulter le gars? Que t'as éclaté? Un parisien? Ah la vache, la tronche qui tirait. J'espère qu'il a pas noté la plaque. Non. Mais pourquoi faire ça juste? Il était trop occupé à gueuler dans le vent. Non mais surtout, vous avez vu qu'il était keblo dans le désert avec une bagnole qui déconne. Numéro 28. Genre c'est bon. Il avait... Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les baraques ont la même tronche. Jay, t'es prêt? J'arrive. Ah, d'accord. Je crois, on aurait dit que c'était l'oiseau qui avait des Quoi? Écouteurs dans les fesses. Arrête de rêvasser, frangin. J'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'inquiète. Oh, il a l'air vénère. Mais c'est un méchant. Bon, on fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison, et tout redeviendra comme avant. Tu peux le laisser mourir si jamais, c'est ok pour moi. Bah c'est vous qui choisissez, attendez. On habite ici, si on rate notre coup. Sûr qu'il y a personne, ça a l'air dangereux. Mais de quoi il parle? On va rester en vie, garder la maison et tout reviendra comme avant. On sait pas de quoi il parle. Qui habite ici? Ouais, moi je suis curieuse de savoir qui habite ici. Ça a l'air dangereux. Je vais mettre un plus sur qui habite ici parce que, bah, en fait ça veut dire qu'ils habitent pas ici et qu'ils vont squatter une maison... Oh, du coup, ça fait ça. Tu m'as pas dit à qui est cette maison. On s'en fout de ça. N'hésitez pas à faire un petit refresh. Je pense que dans le chat, il y a quelques latences. À grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture et trouve un moyen d'entrer. Wow. What? M'en sais que t'as pris ça? Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais faut bien que je couvre vos arrières. On a une heure avant qu'ils rentrent. Si t'entends trois coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Dell, le code. Je sais lire, hein. T'as pas intérêt à te foirer, mon pote. On compte sur toi. Allez, Tarzan. Mais qu'est-ce qu'il... Il va escalader le portail du fond. Il vole un truc dans la maison. On précis, j'imagine. Ah, ou peut-être pas précis, je sais pas. Pourquoi cette maison en particulier? C'est ça qui me surprend. Dogo. Oh non, je veux pas faire un truc contre le dogo. Parler au chien, contourner le chien, lancer un bâton. Le bâton, ça peut être dangereux. Contourner le chien, il va... Moi, je vais parler au dogo. Parce que j'avoue que le coup du bâton, moi, ça me fait... Ah mince, vous voyez pas. Moi, ça me fait un peu... Ah, c'est serré. Moi, ça me tend un peu parce que ça peut être vu comme un truc menaçant, genre. Oh, c'est le bâton. C'est le bâton qui remporte. Oh, bien joué le chat. Ah non, pas du tout. Ah, oh non, 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 je vais pas faire mal au chien, je vais pas faire mal au chien. Il a rien demandé, il essaie juste de défendre son truc. Bon, ça va. Vous voulez que le dogo s'amuse? Ouais, mais quand t'es un étranger qui lance un bâton à un chien alors que t'arrives sur le terrain, ça... Ça peut être mal vu. Moi, j'avoue que lui parler pour être en mode « Hey, salut toi !» Tu vois? Tu vois, tu vois? Fais-tu vois?
mettre ma cam ailleurs quand je réapparaîtrai. Oh mince, pardon. Je me mettrai en hauteur. Que c'est le grand méchant loup ? C'est pas très grande. C'est pas drôle. Bah alors ? Il a un Doberman. Je l'ai enfermé dans le cabanon. C'est quoi ? T'es con. Oh god ! Oh les blagues de... Mais les blagues, je sais pas, je pense de... Mais collégien, c'est trop vieux, tu ne fais plus ça déjà. Primaire, au mieux. Chez qui, au juste ? D'Antromero. Le roi des poulets. Attends, le shérif ? Ouais. On est chez le shérif ? Comment a jamais pu le saquer ? Oh ! C'est une vie. Ils ont pour mineurs. Je sais, on est chez le fucking shérif ? Il l'a bien cherché. Genre... Alors autant en profiter pour mettre le foutoir. Ils sont suicidaires ! Là. Pourquoi ? Enfin... Alors attendez. Vas-y, contente de suivre le vent, il est flic. Dans toi, tu es le plan, il est flic. Moi, je vais... Attends, je suis en mode panique, hein, désolé, hein. Il est flic. Hashtag 10, vas-y. Hashtag 11, contente-toi, tu veux le plan. Hashtag 12. Il est flic. Il est flic, bordel. Genre... Je sais pas, c'est... Vraiment? Vraiment, tu... Je sais pas. Dale, c'est le flic le plus vicieux de tout le comté. Tu veux voir tout le respect que ça m'inspire? En plus, il est vénère, le flic. Il se passe pas un jour sans que je rêve de lui faire payer à ce connard. T'es fou ou quoi? Il a craché sur ma photo! Analyser ta salive. Mais oui! Faites un coup, on est à Two Rock. Pas dans New York Police Blues. Mais c'est le shérif. Bon, trouve-moi ce coffre. Genre, il en démordra pas, tu contribuoles là, sa maison. C'est genre d'affaires sérieuses de fou, en vrai. Mais plus qu'il soit corrompu. Bah apparemment, il a dit qu'il était vicieux, hein. Ah mince, désolé, faut que je balade. Alors on fouille quoi? Le meuble, le portefeuille, la photo, le tableau. Eh ben... Franchement, porte-flard... je vais soulever le tableau. Oh, regardez la photo, sinon. Bon bah voilà, on était tous pas d'accord. Désolé, j'ai trimballé ma photo trop tard. Quel abruti. Oh mais oh, j'aime pas ça, non mais je... non, je veux pas prendre l'argent. Il y a 40$, laisse 40$. Il y a R, il y a vraiment R, c'est pourri. Il y a 40 fucking dollars. Donc 10 si vous voulez prendre l'argent, 11 si vous voulez pas prendre l'argent. Sérieux, il y a rien là-dedans en plus. Vraiment, tu vas risquer un truc encore plus grave en volant 40$. Mais l'autre il va nous regarder, ça va être mal vu hein. C'est les croquettes pour le chien. Voilà, laissons les croquettes. Ouvrir le meuble, regarder la photo ou soulever le tableau. Franchement, j'ai envie de voir la photo moi. Comme ça on voit qui est le shérif. Et après je soulèverai bien le tableau. Parce que je sens qu'il y aura plus de trucs intéressants que sous le meuble de télé. Mais je sais pas. J'aime soulever des trucs. Je crois que vu que t'as écrit quelque chose, ça a pas été pris en compte. Mais bon. Tyler, t'as dit où ils sont? Le tableau, ouais, on connaît. Elle a peut-être un rendez-vous médical. Je sais pas trop. Mais oui, il a une femme. Si ça se trouve, elle dort, elle fait une sieste. Coucou, moi, je vis une dark. Mais il bouffe. Déteste ce type. Possible. Oh, je déteste ce type. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ma copine. Il prend une magnette. Mais t'as pas de copine. La ferme. Il a volé... Il a volé une magnette, non? Hé hey, qu'est-ce qui est jaune et très pressant? Allez, viens m'aider à me venger. Oh, il pisse dedans, mais... Ah, je le déteste. Oh là là, désolé. Hein, hashtag 10 si vous voulez pisser avec lui, là. Ou hashtag 11 si... Venez, on fait des trucs plus intéressants, bordel. Oh, c'est affreux. Ah non, mais vraiment, quoi. Il est dégueu, je déteste ce type. Ah, il y en a qui sont curieux de voir ce qui va se passer. Si. Ah, les gens qui se révèlent avec cette... le pourquoi pas, hein, trapile, on voit, cache. Puis c'est crade, ton truc. Ah, c'est dégueu. Tu fais pitié, on te l'a déjà dit. C'est pas vrai. On peut l'enfermer avec le dogo, putain, j'avoue. Tu t'entends parler. Je spam 10. Mais faut pas spam.
Emmerich, il faut mettre un hashtag. Et fais-le juste une fois. Ça devrait suffire. D'accord. Parce que là, on voit pas de message depuis tout à l'heure. Et si ça se trouve, t'as été bloqué par le bot pour spam. Fais juste un hashtag 10, un seul, ça suffira. Mais il faut faire hashtag, juste le chiffre, ça marche pas. Mais effectivement, je te vois pas dans le chat depuis tout à l'heure. Est-ce que tu écris dans le bon chat au point ? Ça se trouve, tu spam 10 sur un autre chat. Ça se trouve, il écrit sur le chat de quelqu'un d'autre 10 depuis une heure. Vous êtes sa femme. Mais oui, elle était là ! Je vous avais dit qu'elle était peut-être là ! Elle est handicapée ! Oh putain ! Merde. Est-ce que... J'en vois, c'est... Est-ce que... Ce qui se finit dans le tiroir à piste. Oh là là. Les ligne, et pas foutu de retaper une voiture. Ça va. Comment on fait un hashtag? Ouais, ouais. C'est 3. Tu fais alt 3 ou majuscule 3, je sais déjà plus. Attendez. Je fais comment d'habitude? Je vais nous chercher. Alt G3. Shima, la maman de Ryan veut bien que je dorme chez eux. M'attends pas ce soir. Mais copie-colle-le au pire. Tu le gardes en copier-coller et puis... C'est pour ça que je te l'ai écrit comme ça tu peux le copier-coller au pire. Tu gardes en CTRL-C le hashtag et comme ça t'auras pas à le réécrire à chaque fois. Bon. Donc on est dans un hôtel. Est-ce qu'on sonne ou est-ce qu'on attend? Pff, oh la décision de fou là, attention. Hein. Est-ce qu'on sonne, est-ce qu'on attend? Je peux rien faire d'autre? Ouais, on sonne. Enfin, je pas d'avis. Disons que bon, attendre. Au bout d'un moment, la clochette, elle est là pour ça, quoi. Amazon selling books directly to consumers. Netflix renting movies by mail. Ah, Netflix. Ça parlait de Netflix. N'écoutez pas. Ah. Est-ce qu'on spam ou pas? Est-ce qu'on fait nos casse-couilles ou pas? Moi, vous connaissez... Moi, je pense... Franchement... Je vais pas choisir. Est-ce que moi, je serais à 100%? On peut-être pas en vrai, mais dans un jeu, je ferais ça à chaque fois. On attend, on est mignon. Oh. Salut. Elle a l'air vénère. Ah non. Désolée pour l'attente. Je croyais qu'elle était vénère en mode quoi ? Merci d'avoir patienté. Non, merci. On a eu un accident à quelques kilomètres d'ici à l'est. Un peu oui, c'est vrai. Vous n'auriez pas une ou deux chambres de libre et le numéro d'une dépanneuse par hasard ? Ah, oh, c'est pas de chance. Notre mécano, Franck, est à Tucson pour le week-end. Bon, juste deux chambres alors. Ça fera $70 en liquide, s'il vous plaît. Ah la merde, j'ai vu dans un film, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. $52 sur moi. C'est assez pour une chambre. Hey, Joyce. Je suis occupée, là. Il n'y a pas assez de thunes. S'il vous plaît, une chambre, parlez au responsable. Est-ce que genre on fait nos crevards en mode s'il vous plaît, une deuxième chambre pour moins cher. Est-ce qu'on parle au responsable, ce que je trouve nul? Je sais pas. Est-ce qu'on dit ok pour une chambre? C'est vrai que parfois insister un peu ça peut être une bonne chose en soi, hein, mais moi j'aurais tendance à dire ok, tant pis. Bon, d'accord. Une chambre. Et voilà. En vrai ils sont 4. Bon, c'est pas énorme, mais pour une nuit ça va, parce que bonjour, le but c'est pas de rester ici. Michel. Merci beaucoup de nous héberger. Oh, c'est pas comme si on était complet. Ravi de rendre service. C'était encore un fusible. Le problème quand il n'y a pas de disjoncteur, c'est que... Oh, salut. Bienvenue à Turok. Paul, j'ai besoin d'un service. Va dire à Norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking. Ah mince. Ah, c'est sympa. Vous avez crevé ou c'est autre chose? En vrai, c'est sympa. C'est réparé pas mal de trucs. Le problème vient du moteur, enfin, si vous voulez essayer, allez-y. C'est un 4x4 rouge à l'est d'ici. Vous pouvez pas... Ils sont vachement sympas, en vrai. Je m'en occupe. Vous n'embergez pas, ils vous font payer une chambre. Comme n'importe quel motel. Ouais, bon, peut-être qu'elle aurait répondu ça quoi qu'il arrive. Non. Mais on me confond souvent avec Clint Eastwood. What? Qu'est-ce que c'était que ça? Non mais ça va. Eh, en vrai, ils peuvent dormir à 4, ça va. Enfin un peu de fraîcheur. À 3,5, il y a un bébou avec. On est en vacances maintenant? Enlève tes chaussures!
Oh, ça m'énerve, hein. C'est pas de chance. Nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement. Et arrête de sauter sur le lit, d'accord? Et surtout avec tes chaussures. Regardez les animaux à la télé, alors? Enlève tes... S'il te plaît. Hey, je t'ai dit d'arrêter de sauter. J'arrête si tu me laisses regarder mon émission. J'apprends plein de choses. Honnêtement, est-ce qu'on fait hashtag non en mode tu m'écoutes? Parce que moi, je trouve ça honteux qu'elle ait gardé ses chaussures. Ou est-ce qu'on fait hashtag 11 en mode allez, on la laisse regarder la télé parce qu'elle est un peu rigolote, elle est trop mignonne. Désolé, hein. Chaussures sur le lit, toi aussi ça trigger, mais moi aussi, ça rend ouf. Mais bon, on va être considéré comme un parent chiant, je le sais là. Le jeu, il va nous dire oh, vous avez vexé la petite, vous l'avez traumatisée jusqu'à la fin de sa vie. Désolé, on fait pas ça. Zoé, il n'est pas question d'allumer la télé si tu n'en fais qu'à ta tête. Oh. C'est pas juste. Au contraire. Et si on regardait un film tous ensemble avant d'aller au lit. Oui, quand elle renverse ses chaussures. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais c'est douloureux. Ah d'accord. Je voudrais bien me masser un peu. Elle m'a répondu en tout cas. Eh ben, c'est juste pour qu'elle foute la pêche. Alors, qui dort avec moi? Ton humble serviteur. Je te préviens, je fais des câlins quand je dors. Bah alors, tu fais la tête? Attends, je alors. T'es manqué. Ah, on fait la gueule. Elle a eu une longue journée. Comme nous tous, c'est tout. Bon, je vais promener Zeus. Vince, ça te dirait de venir pas trois avec moi? Bah, ils sont trois et demi, avec la petite, il quoi. Il a besoin de changer l'eau du bocal. Il y a le daron. Il faut que je te parle. Le daron de lui. Ah, il a... Ok, l'en choisit. On reste avec Michel pour regarder un film et tout ça. Pour profiter un petit peu de la soirée. Ou, hashtag 2, on accompagne Jim, qui, est censé... qui a l'air d'être notre daron, on est d'accord, hein. Oui. Qui veut nous parler. Là, franchement, je sais pas. Là, faut vraiment bien réfléchir. Je sais pas du tout. Je vais vous laisser choisir. Ah, j'aurais dû voter sur l'autre, comme ça, ça aurait fait un hasard. Je peux venir? J'espérais vraiment que tu viennes, à vrai dire. Réfléchir, c'est quoi? Merci d'être resté. Je sais que je suis irritable. Non, mais vous avez besoin d'un moment entre vous, là. Les petits bébous, là. Petit bébou, petit bébou. C'est juste que... Tu sais bien ce qu'il espère, non? Il va vouloir emménager avec nous. Ah non, tu crois? J'en mettrai ma main au feu. Ah, dire, ah c'est délicat, ça. Son cancer va pas s'arranger. J'ai de la peine pour lui. Mais j'ai du mal à lui faire confiance. Ah. Il a disparu de ta vie pendant quasiment 30 ans. Ah, wow. Je veux pas que Zoé vive la même chose. Je sais bien. Mais à l'époque, il enchaînait les cures de désintoxication. Ah, c'est chaud. Ah ouais, non mais d'accord. Oh, ça a l'air d'être quand même un daron difficile à gérer. Hein. Oh, je tourne. Voilà. Ah oh, ouais, ça fait du bien. Ah, j'étais à fond là, j'ai tourné non, comme Jaja. Hein. Un peu plus bas, tu veux pas? C'est là. Ah, c'est tout tendu. Y a pas que le dos qui est tendu. Merci. Tu sais... Pardon, mais c'était prévisible, hein, en vrai. La maîtresse n'a pas arrêté de me dire que c'est une enfant très intelligente. Elle a de l'avance en maths et en lecture. Est-ce qu'on en doutait encore? Elle pense aussi qu'avec le changement d'école de Zoé, ça vaut peut-être le coup de lui faire sauter le CP. Elle pourrait entrer directement en CE1. Attends, quoi? C'est ce que je lui ai dit. Mais en vrai, c'est pas spécialement simple de sauter une classe quand on est peut-être gamin. Peut-être que ça pourrait lui être bénéfique. C'est forcément un peu plus dur, mais en soi... Elle apprendrait des nouvelles choses. Michel, non. Elle va être la plus petite de sa classe. Les autres vont piquer. On a raté pourquoi le père a disparu aussi longtemps. T'en sais rien. Bah on va voir. Si là déjà on savait même pas qu'il avait disparu si longtemps. Qui auront simplement quelques mois de plus qu'elle. Je pense que ça va. Je sais pas trop. Ils vont en parler un peu. Elle déménage déjà dans un nouvel état et en plus. On va voir. Tu sais bien qu'elle a entendu notre dispute l'autre soir. Franchement, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça en plus? Bien sûr que non, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Essayer de faire sauter une classe à Zoé? Je sais pas. C'est délicat en fait. Ça, je. Hashtag 10 du coup, si vous voulez essayer. 11 si on dit que c'est un peu. Beaucoup de pression. Je sais que pour les gamins. Il veut voir casse-couille lui en fait. Ah, il a l'air d'être là contre son gré en tout cas. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Moi, je suis un peu mitigée quant au côté. Ça se prend pas comme ça une décision. Genre, faut vraiment y réfléchir longtemps et demander des avis, tout ça. Je sais pas. Je veux pas la traumatiser.
si elle saute une lui demander son avis, oui, voilà, c'est ça. Ou qu'elle a du mal à se faire des amis. Vince, c'est le moment ou jamais. Elle arrive dans une nouvelle école, de toute façon. Oui, Nini, c'est pas ce que je fais pour mon père, Nini, c'est pas ce que je fais pour ma fille. C'est bon. Écoute, il a l'air d'être perdu, ils ont l'air d'être dans un moment difficile. Mais Vince, écoute-moi. Tu sais, l'autre soir... Papa, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre? Papy veut que tu viennes. Vraiment? Ah bon, super. On va parler au papy. Je vais me prendre un truc au distributeur. Je vous ramène quelque chose? Non, merci, ça ira. Genre la petite, elle saute pas sur l'occasion d'avoir un truc sucré? Chelou, suspect de fou. Et là, Bill regarde Hillary et lui sort. Mais je croyais que la baie des cochons, c'était une boîte échangiste. Oh. Ça vient par ici. Tiens, salut. J'ai fait remorquer votre voiture. C'est nul. Vous avez raison, ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille. Combien je vous dois? Rien. Vous êtes nos hôtes. On mène la caisse à l'arrière, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit les braqueurs. Hache-nous, tout de suite. Eux, ils sont dans la merde. Je t'ai dit à genoux. On obtempère, on dit qui êtes-vous ou on refuse. Moi perso, j'obtempère tout de suite. Hein. Enfin, le gars, il a un peu pont dans les mains quand même. Enfin, les mini là, je sais pas comment on appelle ça. Frappil qui veut discuter. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon? Demandez qui c'est. Eh bonjour, enchanté. Lui serrer la main. Faire les présentations. Bon chien. Oh ta gueule. Oh ta gueule mec, oh ta gueule. Oh mais qui ferme sa gueule avec son bon chien là. Oh ta gueule, c'est facile quand t'as une arme. Oh je le déteste. Oh non, ça marche pas. Les commandes d'urgence. Il faut que je fuis, il faut que je la calme. Ou faut que je retienne le fauteuil volant. Roulant, la calmer. Fuir. Arracher la télécommande d'urgence. Non mais on va pas se battre avec une personne handicapée quand même. Handicapé moteur, enfin genre... je sais pas, je vais peut-être faire fuir. Non mais... Oh tiens, le fauteuil roulant, non mais non, mais on va lui faire du... Non, allez, j'y crois. Arracher la télécommande ou rassurer la femme. Ou courir. Ah moi le coup d'arracher là, eh, c'est chaud quand même hein. Allez je tente le rassurage, je sais pas. Oh, je sais pas du tout, on rassure, on fuit. J'aurais dû faire courir. J'aurais dû faire hashtag 3. La télécommande du coup. Oh, mais c'est terrible ce qu'on vient de faire, j'ai l'impression. Ok. Tout va bien, écoutez-moi, vous êtes sa femme. Ouais, tout va bien. Elle se rend compte que ça va pas en vrai. Hein. Elle a pas 3 ans et demi. Moi, je ferais bien, vous êtes sa femme en mode... En mode discussion. Vous êtes la femme du shérif, c'est ça? J'ai vu une photo en bas. Je sais pas où vous foutre à chaque fois. Oh, elle a une trachéotomie. Désolé. Oh putain, non mais on est trop cruel. On est venu pour l'argent. Et ensuite, on s'en va. Bah... Je sais pas, vous êtes pas au courant? Il vous a rien dit? Il cache des trucs à sa femme. Oh, ça se trouve, il la tient enfermée ici. Il me dit jamais rien. Oh, désolé, parce que c'était indiscret. On dit, j'imagine que dans l'escalier, ils ont pas vu de trucs pour... À moins qu'il y ait un étage, j'en ai peut-être qu'un étage. Mais je crois qu'il y en avait deux. Hein. Dans le bureau au bout du couloir. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Merci.
Bon, il a l'air d'être... je pense qu'il doit être un sacré con avec elle, mais je... Non, venez... on va pas la laisser comme ça, quand même. Viens avec nous, bébou. On va faire la route ensemble. Ça va. Il est super coopératif, donc ça cache un truc. Bonne idée. Moi, je pense que dans le bureau, il y a un piège ou un truc. Hein. Une alarme ou... C'est forcément là. Oh, le tableau, je le sens bien, moi. Soulever le tableau, le tiroir, regarder dehors ou la bibliothèque. Alors, hashtag 1 le tableau, 2 le tiroir, 3 dehors, regarder dehors, 4 le bureau. Ah, regarder dehors, ça peut être intéressant, oui. J'avoue que je vais finalement faire regarder dehors parce que ça se trouve, on va voir que quelqu'un arrive. Je vais faire quoi, lui enlever son handicap, mais la sortir de cette putain de chambre déjà. Elle est clairement à l'étage et je suis sûre qu'il n'y a rien dans l'escalier pour qu'elle descende, donc ça veut dire qu'elle est enfermée dans sa chambre tout le temps. La bibi, let's go à la bibliothèque pour regarder un bouquin sur les oiseaux d'Arizona. Sur les oiseaux. Cool. Oh. Vole un bouquin sur les oiseaux, mec. Oh là là. Oh là là. Oh, cette génération Z, hein, quand même. Un peu plus à ce... regardez dehors, du coup, le tableau. Allez, hashtag ont changé, je crois. Hein. Moi, je regarderai dehors aussi, et puis après, le tableau. Mais ça se trouve, on peut faire que deux choix. Du coup, on va rien trouver. Si, il y a le Stana. Mais t'es sûr? Moi, je pense qu'ils ont pas vu de Stana. Parce que sinon, bah, ils auraient tiqué quand même. Tyler monte la garde. Ah, ok. Bon, bah, c'est bon. Ok. On peut fouiller la bibliothèque à nouveau. Avec hashtag 4. Fouiller le bureau 3. Fouiller le tiroir 1. Et soulever le tableau 2. Voilà. Sinon, ils se seraient doutés. Bah oui, ils se seraient dit quand même qu'il y avait une femme handicapée. Enfin, que sa femme était handicapée vu que, bah, ils étaient que deux clairement chez eux. Et le daron, enfin le mari n'est pas handicapé. Hello Didi Bear, comment vas-tu? Je me demande ce qui s'est passé. Oh, il y a eu des tirs. Ah, c'est chelou quand même. Fouiller la bibliothèque à nouveau, le tiroir ou le bureau? Écoutez, je retente bien la bibli, moi. Donc c'est hashtag 1. Hashtag 2 pour le bureau, hashtag 3 pour le tiroir. Les tiroirs, je pense qu'ils seront verrouillés. Et puis de toute façon, remarque, les tiroirs, ça peut être des dossiers, des trucs un peu intéressants. Le mec, il y a une photo de lui-même devant un drapeau national normal. Ah bah, c'est la shérif. Ça se trouve, c'était les trucs, je sais pas, de shérif. De faire ça, j'en sais rien. Tu peux regarder le replay. C'est vrai, Cash, il y avait vraiment... On l'a vu la Stana, punaise. J'avais pas du tout vu. Hein. Qu'est-ce que... Ah, on a trouvé le coffre. Et du coup, c'est dans le bouquin qu'il y aura le code. J'ai un peu regardé le... Allez. Mais attends, faut que je retienne le chiffre, moi. C'était quoi le chiffre? Oh, c'était 1-9 quelque chose. ...9526, c'est vrai? Vas-y, hein. J'ai fait 3! Oh bah tant pis. 5926, 9526, bon tant pis. J'ai perdu le code. Mais non, tu l'as pas perdu! Regarde dans ta coche! Dans ta poche! Tyler va péter les plombs. Oh merde! Oh bah tant pis. Mais attendez, comment tu... Bref. Ça arrive. C'est pour ça qu'on a un plan B. File-moi un coup de main. Oh, le plan B foirax de fou, ça marche jamais ça, on est d'accord? Non mais évidemment que non, tu étais pas presque, c'est un coffre, enfin... Puis de toute façon, voilà, au pire, tu l'ouvres. Tu dois partir, enfin... Pff. Le code, okay, c'est 3011. Faut qu'on parte, on peut l'ouvrir. Hashtag 10, faut qu'on parte. Hashtag 2, on peut l'ouvrir, je pense. Moi, je pense, très honnêtement, qu'il faut se barrer tout de suite. Est-ce que vous êtes en team? Je rappelle, hein, les commandes sont disponibles dans le chat avec les hashtags devant le numéro. Quant à foire le cambriolage, mais je ne voulais pas cambrioler de toute façon. Vaut mieux, hein, si... au moins ça fait tentative de cambriolage, c'est moins pire. Hein. Faut qu'on parte d'ici, fais ce que je te dis, d'accord? Non!
Oh la claque. Oh la vicose. On est une putain de vicose, hein. Papy, tu choisis les trucs pires. Mais c'est bien, c'est bien. Ouvre-moi ce coffre, ou c'est toute la famille qui va traquer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Se cacher derrière le bureau, forcer le coffre ou sortir par la fenêtre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on se casse? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on force le coffre? Si vous voulez forcer le coffre, c'est hashtag 3. Sortir par la fenêtre, hashtag 2. Se cacher derrière le bureau, hashtag 1. Moi, désolé, je me casse. Voilà, j'ai choisi. Moi, je... désolé, je suis quelqu'un d'assez lâche. Mais j'ai aucun problème avec ça. Forcer le coffre, vous êtes 3 à vouloir forcer le coffre? Mais what the fuck? Quel commu de fou! J'appuie, je vous jure, j'appuie! C'est ciao! Mais de toute façon, même si on avait réussi, ça aurait rien changé. Ici c'est un. J'ai un cambriolage en cours au 28 North Drive. C'est ciao! Il me faut des renforts. Non, mais quel connard, mais je le déteste. Oh, il a pas transversé le shérif quand même, il a essayé de taper, mais le truc n'était pas coupant, j'espère. Oh putain, on fait quoi? On attaque, on ouvre la porte. On attaque le flic, on court vers la porte. Hashtag 1 pour attaquer, hashtag 2 pour fuir. Ah non, mais non, mais là je sais pas quoi choisir. Alors là... Quel moment tu ouvres un coffre-fort à 4 biches? On est d'accord, merci. Je suis une lâche, franchement je suis une lâche aussi moi. Non mais on va pas attaquer, non mais c'est pire idée. Pourquoi? Pourquoi le chat? Pourquoi? Why? Why? Non 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 non. On a attaqué un flic dans le temps. Une minute à l'autre. Il faut qu'on parte. On est mal barre de fou hein. Plutôt, je sais pas ce qui s'est passé. Notre petit frère m'a... Ouais, il a servi à quoi le mec qui était censé guetter? Ah, fais chier. Ça a servi à rien. Il a servi à rien. Je vais arrêter le cuisinier, t'as déjà arrêté le braquage. Ah, ferme. Je vais essayer de les faire, mais en fait, je suis pas prévenu qu'un QTE. Moi, j'ai lâché ma souris, moi. Moi, je suis en mode, je regarde une série, là. Merci, le succès. Merci beaucoup. Now. Eh ben, bien. Merde, je croyais qu'on l'avait semé après la casse. Tu m'as évidemment retourné. Non, ils auraient ralenti. Écoutez, on n'est pas là pour vous faire du mal, ni pour vous extorquer du fric. Tout ce qu'on veut, c'est un endroit pour se planquer en attendant de repartir. Tenez-vous à carreau, et tout ira bien. C'est compris? Ok. On dit oui, on dit pitié, laissez-nous partir, on dit pourquoi je vous ferai confiance. Moi franchement, au pire, je réponds juste oui. Hein. Enfin, je sais pas. Vous choisissez. Bon, le pitié, laissez-nous partir, c'est évident. Enfin, voilà. Hein. Honnêtement, on va pas commencer, on est en mode ok. Ok gars, pas de soucis, calme-toi. Entendu. Tout le monde t'a fait la conversation là, mais oui. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Le jeu est plus intéressant avec l'intégration Twitch. Bah oui, c'est rigolo, parce que ça part dans des trucs où on n'est pas prêt. Tout doute. J'ai pas siesté. On a qu'à piquer une voiture et rouler dans l'autre sens. Ils vont mettre un moment à piger qu'ils nous suivent pas. Trop risqué. Si jamais ils ont des barrages... Bah oui. C'est un shérif que vous avez voulu combler. C'est pas comme si on se baladait avec le fric. Oh là là. Non, c'est vrai. Faut qu'on fasse quelque chose. Mais non, arrête. Essayez de négocier par un bruit, ils sont armés. Moi, franchement, je pense que je vais dire de se taire. Je vais dire de se taire, moi. En mode, non, mais le vieux, ta gueule. Laisse, s'il te plaît, hein. Déjà, tu veux squatter chez moi, c'est un peu chiant. On se calme. Contente-toi de faire ce qu'il dit et tais-toi. Et s'il change d'avis,
Ils savent pas ce qu'ils font, ça crève les yeux. Pourquoi se cacher avec leur foulard? En vrai, on les reconnaît de fou. Bah quand tu... Attends qu'il fasse nuit. Quand tu connais leur visage, oui, mais quand tu connais pas leur visage, tu les reconnais pas, parce que tu sais pas quelle est la fin, tu vois. C'est mieux à faire. Je te dis qu'il faut qu'on bouge. Bon, j'avoue, les cagoules, c'est un peu mieux, ouais. On se calme. Et si on... Lâche ça, j'ai dit. Ouh là 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 là. Oh putain. Oh putain. Partez, s'il vous plaît. Elle est sérieuse. On va tous se calmer. Oh non. Oh, je sais pas. Votre avis, elle est sérieuse? Hashtag 11, elle est sérieuse. Hashtag 12, on va tous se calmer. Hashtag 10, partez, s'il vous plaît. Partez, s'il vous plaît. C'est bon. Oh, je sais pas, hein. Je commence à hashtag 12, qui l'emporte? Bon. Attention. On va tous le papier, hashtag 12. C'est mon motel. Je m'occupe d'eux. Elle a l'air carrément sérieuse. Je suis d'accord qu'elle a l'air carrément sérieuse. Joyce, si jamais elle coupe pas... Je m'occuperai de nettoyer les murs. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Si on les aide à se tirer du pétrin dans lequel ils sont fourrés, peut-être que... Il n'est pas question que je les aide. Oh putain, elle a l'air trop... Montrez-moi vos têtes. La meuf, elle a l'air déter de ouf. J'ai dit, en vrai, j'admire, mais comment ça peut trop aller mal? Ils se connaissent? Oh non. Et ils les connaissent. Eh oui, bah évidemment. C'est vous qui nous avez heurtés. Paul, prends leur fusil. Je... Mmh, oh, ça je part trop en live. Paul, ça part en... Coucouille. Vous, prenez son arme. Oh là là. Pointez-la sur lui. Fais ça, je te jure que tu vas le regretter. On le met en joue ou on lâche l'arme? On va pas lâcher l'arme. En plus, le coup, il peut partir. Parce que j'imagine que le truc est déjà chargé, prêt à tirer, là. Écoutez, moi, je mets en joue. Hein. Moi, je mets en joue parce que je sens que s'il lâche l'arme, il va lâcher comme ça et ça va, le coup va partir. Je sens un truc comme ça. Et je sens que de toute façon, elle va penser qu'on est avec eux. Enfin non, c'est le mauvais bail. C'est le mauvais bail. Là, pour le coup, t'es là. Ok, maintenant, je suis l'autre personne qui a une arme. T'as jamais tenu un flingue de ta vie. Oh, fais pas genre, putain. Toi, tu sais tirer en vrai la plupart du temps. Vous avez juste vu ça une fois dans un champ et après vous la pétez là. Touche encore à mes affaires et tu vas le regretter. Hey. Tu mets en jeu des breakers tarés alors que t'es juste avec ta femme et ta gosse. Dans le cabanon au fond. Bah, du coup, Taylor. Si t'as moyen d'avoir le dessus de la situation, ouais, à 1000% carrément, ouais. Mais dans la vraie vie, en fait, j'aurais vachement mieux géré ça. Ah, il quitte pour tout le monde. Paf, tout le monde assommé. J'appelle la municipalité, on me repaie un prix pour mon héroïsme. Ensuite, leurs enfants viennent se venger de moi. Je croise des enfants, paf, à kick dans leur gueule avant, même qu'ils pensent à se venger. Paf, une autre ville me donne des prix. Et après, je deviens présidente de la Terre. À côté des tables. Hé, les gars. Vous avez pas fait de mal à qui que ce soit, hein? Oh, on a buté le président. Ah bah voilà. Vrai, frangin. T'es le frère cadet, toi. Celui qui a fait un séjour en prison pour mineur. Ferme ta gueule. Quoi? Tout le monde est au courant? Joyce, arrête. À ce qui paraît, t'es le portrait craché de ton père. Un Holt pathétique qui pourrit tout ce qui touche. Tu meurs d'une balle dans le bide. Oh merci la team premier degré, là. On va l'appeler semier degré avec Sam. Ça, t'en penses quoi? Les élections, c'est juste donner un high kick. Attends. T'es pas obligé de faire ça. Vous énervez Zeus. Ne rien dire. Oh, vous énervez le chien. Zeus, pas Zeus. Pardon, je dis Zeus. Parce que c'est pour ça, Zagreus. T'es pas obligé de faire ça. Franchement, le vous énervez le chien, je trouve ça trop drôle. Projet d'une vie. Merci beaucoup. Y'a qui on me décerne un prix, alors élisez-moi. Fais le taire. Vite. C'est un chien, gros malin. Y a pas de... Oh non, 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 lui, tire pas dessus. Non. Je m'en fous de cette dame. Je veux qu'il la boucle. Oh, mais calmez Dale. À votre avis, qui on arrivera à calmer? Le chien, qui est dans une peur extrême? Dale, qui semble être un connard? Je ne sais pas, hein.
Je sais pas, parce que si on calme le mec, on calmera le chien aussi. Ah, je sais pas du tout. Vous voulez calmer le chien? Bon, je pense que calmer le gars, c'est inutile. Oh, ça va, ça va, ça va. Souviens de moi. Ça va. Petit Jack Ruru. D'accord. Dale. Oh, il le défend. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle gérer la situation. Tu menaces un chien. Ça t'a pas suffi de casser la mâchoire du gosse des Casden? La ramène pas à toi. Elle, elle est vraiment ballsy, hein. Tu vas me casser la gueule aussi? Ou tu vas redescendre? Tais-toi. Non, il va... On demande à Joyce de faire profit bas ou on calme Zeus. J'arrête avec Zeus. Je sais pas. Hashtag 10 si c'est pour demander à la meuf de se calmer. Hashtag 11 si on essaie de calmer le dogo une seconde fois. Moi je pense que la meuf de toute façon, elle les connaît et tout. On est qui pour lui dire de se calmer en vrai? En soi, qui on tue? C'est bien. Bon chien, tout doux. Il a foutu la merde avec son flingue là. Mais c'est parce que sûrement c'est pas la première fois. C'est sûrement parce que c'est pas la première fois qu'elle croise des... Voilà, ils se connaissent et tout, ils ont déjà fait des merdes, ça se trouve elle les avait même déjà reconnus. Maintenant baisse ton arme. Voilà, enfin voilà, j'ai envie de dire, on sait pas le passif, ils se connaissent tous. Tu devrais avoir honte de toi. Tu sais quoi? Je t'ai assez entendu. Fais la terre. Je vais mettre un tout petit bout de scotch, genre ici là. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, j'aime pas le coup du baillon, j'aime pas du tout, j'aime pas ça. Je trouve ça... Mais en même temps, bah, c'est pas méchant. Enfin, c'est pas... Si, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous donne l'ordre et on a déjà fait un peu la... On a déjà foutu la merde. On a déjà failli... Voilà, finalement, le coup du baillon, c'est... C'est pas cool. Mais ça peut foutre la merde de refuser. Donc là, je choisis pas, j'avoue, je sais pas. Tu mets une moustache, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, ça pouvait avoir ce genre de conséquences. Pourquoi t'as autant de bagages dans ton 4x4? Hein? T'es venu avec qui d'autre, hein? T'as intérêt à dire la vérité. On est dans un cirque. Avec mon père, c'est tout. Avec ma famille. Bah, évidemment, ils vont demander de ramener notre famille ici. Si on leur ment, ils vont le savoir. Et de toute façon, ils ont vu dans la voiture qu'on était plus, j'en suis sûre. Et on est dans un cirque. Mec, qu'est-ce que tu fais? On est dans un cirque. Ouh là là, je vais quand même essayer. Je voyage avec mon père. C'est tout. On voulait faire un road trip pour réapprendre à se connaître. Ça fait beaucoup d'affaires pour deux mecs. Il dit la vérité. Il est venu avec le vieux, c'est tout. Regarde, il manque une seule clé. L'enchaînement. C'est quoi? Je peux pas te saquer. T'as les jetons, ça se voit sur ta figure. Sandek, mec, t'as peur de mourir, loser? Ferme. Mais non, mais évidemment qu'il a les jetons. Enfin, genre... tu te trompes... oui. Je veux dire, tu menaces littéralement un gars avec son arme, après t'es là. T'as peur, hein? T'as peur de mourir, espèce de merde? Oui. Enfin, please, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette question, genre... Désolé, je ne suis pas suicidaire. Sorry. Bien sûr que j'ai les jetons. Et toi là, t'as pas peur? Là, il y a un flic. T'as peur, espèce de petite merde? Un flic. Pardon, excusez-moi, ça m'a saoulé cette question. Je suis désolé, je vais me cacher un peu là, je vais me taire. Une canette, il cause un peu et il repart. Jay, à l'arrière. Va avec lui. En mode full peinture? C'est pas vraiment peinture, c'est plus un style, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, en mode. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu côté peinture.
Mais oui, le style est particulier. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'animation. Ça va, on s'y habitue, mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé quand même. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sam. Ça roule. Tranquille, comme d'hab. Comme disait mon père, ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va. Mais personne ne commence une conversation comme ça, hein. Personne, hein. Joyce et son fils. Vraiment, ça, c'est que du remplissage de films et de séries. Personne ne commence une conversation avec quelqu'un qui connaît comme ça. Joyce n'a pas la forme. Jamais. Elle est clouée au lit. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la preuve qui prouve qu'il se passe quelque chose de... qui craint, ou on prend la... on la cache pour faire... pour essayer de pas trop contrarier les gars qui nous menacent littéralement et qui peuvent peut-être menacer notre famille. Moi, j'avoue que je sais pas du tout. J'aurais peut-être tendance à cacher la preuve en me disant... voilà, c'est le hasard qu'a choisi. Dis-moi, en me disant... t'as pas vu passer trois gars dans un pick-up bleu par hasard, sur la route ou dans le coin? En me disant, les non, gars, désolé, ils nous pardonneront quand ils se rendront compte qu'en fait on a une famille. Voilà, parce qu'ils vont se rendre compte, c'est sûr. Desert Dream. Oh, je me plains pas. Ouais, Joyce mène drôlement bien sa barque. Elle est où, Joyce? Et sinon, qui d'autre voyage avec vous? Oh putain. Bah, on va pas dire ma femme et ma fille alors qu'on... bah c'est... Si on dit ma femme et ma fille, là on se grille auprès de tout le monde, je pense, hein. Il fait avec ses questions. Bah ouais, il est en mode fin de soirée, il va boire un coup avant de rentrer, tu vois, il a envie de discuter, le gars. Mais j'avoue, t'es là, à chaque question tu joues ta life, là. Oh, je suis venu avec mon père. Bonsoir, monsieur l'agent. Ah. Bah, c'est pourquoi le réhausseur, alors? Hein? Et c'est voilà. Voiture, celle qui est immatriculée en Californie? Bah si, mais j'ai peut-être une fille. Ce n'est pas voiture ou j'ai une fille? On peut dire que j'ai une fille. Les autres qui entendent, il va crever. Bah ouais, mais bon, tant pis, hein. On va pas dire que c'est pas ma voiture parce que c'est facile à vérifier. On va dire j'ai une fille. Je veux dire, tu peux avoir, voilà, tu as pris la bagnole, t'es reportagé, je sais pas, connerie comme ça. Ça va quoi, t'es là, ça c'est bon. C'est bon quoi, c'est bon. Ça, argument de fou là. Oh, j'ai une fille, elle est restée à la maison. Mais vous savez comment c'est. On oublie toujours de retirer le siège enfant. C'est vrai, on en a deux qui traînent toujours à l'arrière du Bronco. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Turok? Oh! Faut dire que c'est pas ma voiture, cette manière, il peut vérifier. Ouais, mais justement, s'il vérifie qu'il se rend compte que c'est pas la voiture, tu dis, mais pourquoi vous mentez, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est foutu. On est en cavale! Vacances, oui, vacances, on déménage pas, enfin y a rien dans le... Oui, oui, vacances, totalement, ouais. On est en cavale. Tu peux dire littéralement on est en cavale, mais c'est de l'amour, je pense. On part au Mexique, pour les vacances. Pour la drogue. Mais moi, on adore. Quelle ville? Évidemment. Oh, j'y connais rien! Acapulco, Guatemala, Rocky Point, Mexico. Rocky Point, c'est une ville au Mexique? On va dire... on est d'accord que... Genre on peut dire Guatemala. Genre... Vous allez dans quelle ville? L'Espagne. C'est au Mexique, à Acapulco? Ah ouais? Il paraît que c'est mal famé pour les touristes. Oh t'as... On va faire du bénévolat. Pour aider les orphelins. Ah, c'est au Mexique? Putain, je savais même pas. Allez, désolé. Je suis chien. Big Sam, t'es où? Bon, ça va. Ça va. Ouais, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je m'apprête à rentrer. Bref, on recherche trois crétins qui se sont introduits chez le shérif. Bah oui, évidemment. Que ça puisse paraître. Ils sont armés et dangereux. Alors, si vous entendez quoi que ce soit, vous nous appelez. T'as une idée de qui ça peut être? Non, ils étaient tous masqués. Pour empêcher qu'on les reconnaisse, évidemment.
Masqué avec un petit bandana. Il a dit quoi? Bon rétablissement à Joy. Papa, bon, ouais. Maman dit que j'ai le droit de me coucher. Oh, elle vient tout niquer. Non, non. Une minute, vous êtes... Je suis sa femme. Tu vois, gars, on est... On va crever. On est mal barré. Mal barré. Vince, qu'est-ce qui se passe? On est mal barré. On va tout se barrer. Rien. On peut dire rien, j'aime bien ça. Hashtag on dit rien, hashtag 2 faut qu'on s'en aille, hashtag droit, il y a des fugitifs en cavale, on déballe tout. Allez moi je dis rien, franchement je sais pas, nothing, rien. Je suis mythomane, ça arrive. Oh, non, c'est vous qui avez choisi. Faut qu'on emmène Zoé dehors. Hein? Pourquoi? Discute pas. Attendez. Non mais je t'en supplie, pose pas de question. Je t'en supplie. Centrale, ici 1742. Il se passe quelque chose de suspect dans le coin. J'ai besoin de renfort. Sam ! Attends ! Il vient de tirer sur le flic ? Oh, non ? Si ? Oh ! T'as menti au sujet de ta famille ? Et t'essaies de nous balancer en plus ? Oh ! Il ne tire pas dessus. Vince, attention. Là, j'y arrive, là. Pitié, non. Mêle-toi de tes affaires. Il voulait juste partir, ouais, clairement. Il est fort, bien joué en vrai. Oh, c'est pire en pire. Tiens, on dirait que t'as plus peur de tenir un flingue. Dis-lui de la lâcher. On a même pas fait le choix de le balancer, si ouais j'avoue. Ça, on est plus dans une impasse. Vince, vous feriez peut-être mieux de baisser cette arme. Et si tu gardais tes jouets pour une fois? C'est vraiment ça que tu veux? Devant ta gamine? Si tu gardais tes jouets? Ah, soit on tue, soit on se rend, on peut faire aucun des deux, genre pas tuer, lui dire calme-toi, on l'attache. Merde! Qu'est-ce que c'est que ces choix? On peut lui tirer dessus ou se rendre? Ah mais non, mais oui, c'est vrai qu'il y a l'autre qui est prise, pardon, qui est en joue. Oh, c'est super dangereux. Oh, non mais il tient notre femme. Ah, j'ai voté, mais ça a pas marché. Ferme les yeux. C'est Dedge. Ah, je peux pas voir ça. Ah, pardon. Oui, calme-toi. Ouf. Oh, putain, mais on est dans la sauce. Tiens, dans la rotule, ouais, je pensais à ça aussi, dans les genoux. Mais oui, c'est vrai que il a déjà tiré, donc théoriquement, effectivement, c'est foutu. Théoriquement, en fait, ça va faire tic. Tic. Moi, je voulais rendre l'arme, de toute façon, j'ai fait se rendre. Alors, on a eu sécurité... Cherche à prévenir des dangers, à protéger les autres. Prêt, raisonnable. Réfléchis soigneusement avant d'agir. Ouais. Surtout le chat, quoi. Bon réflexe. Termine les actions rapides avec vitesse et précision. Ok. Je suis quelqu'un de génial. Hein. On a, je pense, le pire enchaînement qui soit, mais je suis quand même quelqu'un de génial d'après le jeu. Est-ce qu'on fait une VOD par chapitre? Je pense que oui. Du coup, je vais arrêter la VOD ici. Des bisous à VOD. On en reprend une tout de suite. A tout de suite.